COVID-19, hein, c'est quoi même? Bonjour Solo Soro. Depuis le mois d'avril dernier, de nombreux pays sahéliens ont dû fermer les salles de spectacle, de concerts, les restaurants et les boîtes de nuit dans l'optique de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. Ce sont alors de véritables viviers d'épanouissement de la culture dont les portes se sont vues être brusquement barricadées au public. S'ajoutent à cela les couvre-feux qui finissent par asphyxier la tenue des manifestations culturelles dont le moment favori est évidemment la nuit. Pas facile de vivre de son art en temps de pandémie. Comme pour donner un coup de massage cardiaque à la chose culturelle, de nombreux acteurs du domaine ne manquent pas d'initiative. N'est-ce pas que la culture est éternelle? Un proverbe africain dit d'ailleurs que la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Fin de citation. Je vous propose un premier arrêt au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où un regroupement d'entrepreneurs culturels a initié le COVID Live, une série de concerts live et d'entretiens diffusés uniquement sur les réseaux sociaux. Ici, le show se déroule dans une salle vide, mais avec un décor féerique et de nombreux spectateurs connectés. Patrick, partage avec nous ton secret. Qu'est-ce qui te permet d'être toujours heureux, Patrick? Alors, il faut rester soi-même. Je pense que je viens d'une école où tout ce qu'on m'a appris, c'est d'être artiste. Tout ce que j'aimerais vous dire, vous voulez me découvrir, écoutez ce que je fais. Au-delà de ça, je ne saurais comment vous dire qui je suis. Comme quoi, la musique ne se confine pas. Au Mali, les artistes ont choisi plutôt de combattre frontalement la pandémie. La FEDEMA, entendue par la Fédération des artistes du Mali, a même créé un label « Culture contre coronavirus » et a déjà produit gratuitement plus de 100 œuvres pour lutter contre la maladie. La FEDEMA fait figure d'interface pour défendre les intérêts des artistes auprès du gouvernement et gérer le retour très attendu du spectacle vivant. Mais la FEDEMA gère aussi, entre autres, la distribution des vivres envoyés par l'État ou encore les factures d'électricité d'artistes actuellement privés de leurs revenus. Ne passez pas à côté de ces vidéos souvent poétiques de danse, de musique ou comme ici de spectacles de marionnettes. Zozani, kana boli, koba ngaminga djubuna ngabemba la fitini nunuye. Surkubaka Zozani batwe, ah nina ke kugela mbaye de. Est-ce que nous ferons d'autres que toi? Ou la saga sera vraiment? Zunzani, ne vais surgouba don tout comme na ou Waraba, ne go au coronavirus tout comme ah ouais? Et banakon y banaisa, naïmine. Direction N'Djamena au Tchad où Théâtre Élan contourne la COVID-19 pour monter des scènes inédites dans les cours des gens. J'espère qu'ils passeront chez vous. Tout en respectant les distances entre chaque comédien, le test est déroulé et filmé pour être ensuite diffusé en ligne sur les plateformes sociales. Suivez plutôt cet extrait d'une lecture théâtrale de l'acte de respirer de Sony Labou Tanzi. Le poète, au juste qu'a-t-il de plus que les autres sinon son entêtement? Et s'il parle, c'est à titre d'exemple. En cela, il est différent de l'homme qui s'improvise et improvise l'univers. Sans équivoque, il pose l'acte de respirer et échappe délicieusement au terrorisme d'exister. C'est fini pour aujourd'hui, mais la COVID-19 est encore là. Ne baissez pas la garde. Continuez à vous protéger et à protéger vos proches. Je vous dis à bientôt avec la même bonne humeur, n'est-ce pas, Solo Soro?